qu'est-ce que c'est ? C'est une Bible ? Tu lis la Bible, Hugo ? Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons quitter notre monde contemporain pour nous plonger dans le Moyen-Âge. Le livre de l'Apocalypse a bénéficié de nombreuses et magnifiques représentations, illustrations, durant la période médiévale, mais il a aussi fait l'objet de nombreuses interprétations. Pour ouvrir ce dossier sur l'Apocalypse et le Moyen-Âge, j'ai invité un des spécialistes en la matière, Jean-Claude Schmitt, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Jean-Claude Schmitt a publié de nombreux ouvrages sur la période médiévale, dont le tout dernier, sorti cette année, « Le cloître des ombres » aux éditions Gallimard. L'entretien a été effectué par téléphone, d'où la qualité différente de l'enregistrement qui, je l'espère, ne nuira pas trop à votre écoute, tant les propos sont éclairants et passionnants. Bonjour Monsieur Schmitt. Bonjour. Alors je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Je ne voyais pas aborder la question de la réception du livre de l'Apocalypse sans évoquer le Moyen-Âge. Eh bien je suis heureux que vous ayez accepté et répondu à ma demande, d'autant plus que vous êtes quand même un des spécialistes en France du Moyen-Âge occidental. Pour vous présenter, vous êtes agrégé et docteur en histoire. Et vous êtes également directeur des études à l'École des hautes études en sciences sociales. Pour lire votre fiche, vos sujets d'étude portent sur tous les aspects socioculturels de l'Occident médiéval, appréhendés dans une perspective et avec des méthodes anthropologiques et le souci de faire alterner les études de type micro-historique et les plus vastes synthèses. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé ou bien lu les fiches que j'ai lues à droite à gauche ? Oui, tout à fait. Je peux ajouter simplement que parmi tous les documents que l'historien est amené à traiter, pour ma part, je m'intéresse beaucoup aux images aussi. Donc, moi, dans une perspective de simplement d'histoire de l'art, mais plutôt avec l'idée de valoriser comme document historique l'iconographie médiévale, en l'occurrence. Ben c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est-à-dire aussi ces représentations, alors iconographiques, entre autres, pour une part, mais ce qui va nous représenter ici, c'est plutôt, c'est vrai, ce Moyen-Âge qui a donné, c'est vrai, naissance à beaucoup d'enluminures, de vitraux, de portails d'églises ou de cathédrales. Et Apocalypse. Oui, c'est le cas de l'Apocalypse, justement, ben particulièrement. Oui. Exactement, exactement. Et Apocalypse et Moyen-Âge sont aussi associés, alors peut-être à tort, vous nous le direz, à la peur de l'an 1000 et du jugement dernier. Alors cette vision du Moyen-Âge soumis à la crainte de l'avènement apocalyptique ou d'un avènement apocalyptique est-elle réelle ou est-elle exagérée ? Alors c'est un vaste problème et il faudrait peut-être prendre les choses plus en amont. On ne peut pas mêler par exemple peur de l'an 1000, vous venez de le mentionner, la question des la possibilité des peurs de l'an 1000, hein, on va y revenir, et la question de la peur, de l'attente du jugement dernier. Ce sont deux choses liées, naturellement, mais qui ne se situent pas au même niveau. D'un côté, on a des mouvements religieux et sociaux perceptibles, non pas en l'an 1000, mais je dirais au 10e ou 11e siècle, hein, dans une période plus souple et plus vaste. Que certains, particulièrement au XIXe siècle, dans une optique un peu romantique, ont rattaché à la peur de la fin du monde, en fait, hein, la fin du monde et du jugement dernier. La fin du monde, vu dans la tradition chrétienne, c'est bien sûr le retour du Christ, prévu justement par l'Apocalypse, et un combat terrible entre les forces du mal et les forces du bien, et pour finir, le jugement dernier, avec la résurrection des morts depuis l'origine, et le jugement, donc un partage entre d'un côté l'enfer éternel et de l'autre le paradis éternel. Pour ça, c'est inscrit dans cette longue mythologie chrétienne, pourrait-on dire, dans l'Apocalypse, c'est évidemment une pièce maîtresse. Et puis il y a alors cet événement, disons que
qu'on veut fixer à une date précise, c'est-à-dire l'anniversaire. Et justement, on ne fêtait pas les anniversaires au Moyen-Âge. En tout cas, l'idée d'un millénium, hein, d'une année 1000 après l'incarnation, donc ce serait l'an 1000 ans après l'arrivée du Christ sur Terre, ou 1030, par exemple, après la Passion. Alors effectivement, on a quelques textes, mais pas beaucoup, qui mentionnent des mouvements, comme je disais à ce moment-là, des inquiétudes, etc. Mais c'est pas seulement à ce moment-là. Il y a d'autres dates charnières, d'autres dates importantes au cours du Moyen-Âge, avant et après. Et donc il est difficile de voir les paniques, en particulier collectives, que l'on a imaginées, enfin, que par exemple Michelet a pu imaginer à ce moment-là. Et donc il faut distinguer, je crois, deux choses, hein, une perspective un peu événementielle qui n'est plus tellement aujourd'hui admise par les historiens, et puis une question beaucoup plus vaste, alors qui elle est très importante, et qui est la question de la fin des temps, et de la fin des temps et du jugement dernier. Quelles furent à cette époque, enfin dans ce Moyen-Âge du 11e au 14e siècle, on va dire, hein, ce Moyen-Âge assez vaste, les interprétations justement de cet apocalypse et peut-être même de ce millénium arrivant? Oui, alors si vous voulez, pour être clair et simple, je crois qu'il faut distinguer deux termes. Le terme millénarisme et le terme eschatologie. Alors je force un peu le sens des mots pour être plus clair. Parce qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça, mais je crois qu'il faut le faire. Ainsi, millénarisme, c'est évidemment un mot qui est tiré de l'Apocalypse elle-même, ce texte, attribué à l'évangéliste Jean, et qui se situe, non pas à la toute fin, mais à la fin quand même du Nouveau Testament, dans la Bible canonique, hein, admise. Qui est la Vulgate en latin pour les chrétiens de l'Ouest, hein, occidentaux, ou bien la Septante pour les chrétiens de langue grecque. Donc l'Apocalypse qu'on attribue à un évangéliste, c'était pourquoi on l'a sauvé d'ailleurs, on l'a admise, alors qu'il y avait toujours une certaine méfiance à l'égard de ce type de texte, et de celui-ci en particulier. Et ce texte mentionne une période de 1000 ans. Millénium, on dit, millénium. Et cela donnait millénarisme, ou bien chiliasme, parce que donc, chiliasme, il y a la même chose, mille en grec, c'est-à-dire le kilo. Hein. Mille ans, un kilo d'an. Mille ans. Et ces mille ans se situent à la fin du récit de l'Apocalypse, lorsque il est entendu que les forces du mal et les forces du bien se déchaînent, et puis que le Christ va venir et établir un règne de 1000 ans sur terre de paix avant l'issue finale. Et donc, à partir de là, dans ce texte qui est plein de chiffres, celui-là, 1000, mais pas seulement, des chiffres de nombre, certains ont admis qu'il fallait une interprétation littérale. Il y aurait vraiment 1000 ans, hein, 1000 années réelles, et que cela sur Terre se traduirait par une ruine de tous les pouvoirs traditionnels, qu'ils soient pouvoirs séculiers, l'empereur, les rois, etc., les seigneurs, ou bien les pouvoirs de l'Église aussi, les papes, les évêques, etc., et que l'on aurait une période idéale comme ça de 1000 ans. De paix. Voilà. Et contre cette interprétation littérale et millénariste, il faut a émergé très tôt dans la tradition chrétienne une interprétation symbolique. Il ne faut pas lire tout ça comme de vrais chiffres, de vrais nombres, de vrais 1000 ans, mais comme des données symboliques. Donc on ne sait pas. Ce ne sera pas 1000 ans sur Terre comme le texte semble le dire,
ce sera, il faut le comprendre d'un point de vue symbolique, c'est-à-dire surtout se préparer à cette issue et donc faire pénitence de ses péchés, être en règle avec soi-même et avec Dieu, et c'est comme ça qu'on sera sauvé. Voilà. Donc cette interprétation symbolique qu'on appelle, que j'appellerais, si vous voulez, pour être bien clair, eschatologie, eschatologique, non pas millénariste, cette interprétation eschatologique, c'est l'interprétation de saint Augustin au 4e et 5e siècle, il meurt en 430 exactement. Saint Augustin, qui est un père de l'Église, qui a eu une énorme influence sur toute la tradition exégétique, c'est-à-dire d'interprétation de la Bible, de l'exégèse, et théologique, hein, l'interprétation du discours religieux de façon générale, pendant tout le Moyen-Âge. Et c'est la position officielle de l'Église. Et contre cette position, encore une fois, symbolique et eschatologique, ce sont les hérétiques, ceux qui ont été jugés hérétiques, qu'on a nommés hérétiques à cause de cela, qui tenaient pour l'interprétation littérale et millénariste, qui était subversive, puisqu'elle supposait que les pouvoirs, et notamment celui de l'Église, allaient être abattus dans ce grand combat final entre les forces du bien et les forces du mal. D'où est née cette idée ou cette interprétation plutôt eschatologique que symbolique alors que dans ce Moyen-Âge, alors que les positions de saint Augustin avaient quand même été assez diffusées? Oui, alors je dirais qu'elles sont nées du fait que jamais l'Église et son discours n'ont pu avoir une position hégémonique totale. C'est-à-dire qu'il s'est toujours produit des mouvements adverses au sein même de l'Église, car les hérétiques, ce sont souvent des clercs. Ce sont des clercs qui divergent dans l'interprétation, et jusqu'à un certain degré, cette divergence est tolérée. Et puis, il y a des lignes rouges, comme on dit aujourd'hui, à ne pas franchir. Et ensuite, si on les franchit, on est repoussé dans l'hérésie. Et une fois dans l'hérésie, en général, il y a une radicalisation du fait même de la position d'extériorisation, si vous voulez, de bannissement des hérétiques hors des cadres de l'Église. À ce moment-là, une radicalisation qui concerne à la fois les comportements sociaux, la critique de l'Église, la critique des pouvoirs établis, et puis les positions théologiques aussi, qui vont dans ce cas-là. Vous pensez, il y a un moment comme ça qui est très important du point de vue de l'histoire des hérésies, c'est le 12e siècle, disons, où il y a tout un mouvement de réforme de l'Église qui suscite des prises de position parfois encore plus radicales. Par exemple, à Milan, les patarins, ce qu'on appelle les patarins, sont des gens qui prônent la pauvreté dans l'Église, qui l'abandon des pouvoirs, des pouvoirs mondains, en somme, temporels de l'Église. Et d'abord, au début, ils font partie de ce mouvement de réforme, ils sont même encouragés par les autorités ecclésiastiques. Et puis, petit à petit, ils prennent des positions telles qu'on les rejette dans l'hérésie. À côté de ces patarins, à peu près au même moment, il y a Valdès à Lyon, qui a créé ce qu'on a appelé les Vaudois, le mouvement Vaudois. Au début, ce qu'ils disent est parfaitement admissible par l'Église, mais par exemple sur la pauvreté, mais ils vont plus loin. Ils vont prôner l'abandon des dîmes, qui sont quand même un revenu non négligeable pour le clergé. Ils vont, et puis un jour, ils prônent même la prédication par les femmes. Et là, ça, c'est le point de rupture, c'est la ligne rouge. Et à ce moment-là, ils sont vraiment repoussés dans l'hérésie, persécutés, pourchassés pendant un ou deux siècles, avant de, non pas de disparaître totalement, finalement, puisque finalement, ils vont se rattacher au courant protestant calviniste, hein, au début du XVIe siècle. Mais voilà, c'est comme ça, c'est tout un engrenage, en somme, que l'on peut observer aujourd'hui, hein, quand quelque chose. Un mouvement est réprimé, eh bien,
partir du moment où il est exclu, il tend aussi à être radicalisé, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est un peu le même processus. Alors, l'interprétation radicale, littérale, etc., elle est le fait de ces hérétiques. C'est pas qu'ils aient choisi d'être hérétiques, mais ils sont repoussés dans l'hérésie. Et souvent, ils prennent des positions très fondamentalistes, comme on dirait aujourd'hui dans l'Église, très, très littérales, alors que l'Église, elle, les théologiens, les pères de l'Église, mais le magistère aussi, c'est-à-dire l'autorité dans l'Église en matière de théologie, mais aussi de comportement, de morale, etc., a, je pense, toujours une position beaucoup plus médiane, modérée et souple, ce qui lui a permis aussi de vivre longtemps, si de survivre, de passer les siècles avec un certain réalisme, un certain sens du compromis. Qui ne se retrouvent pas du tout chez les hérétiques, quels qu'ils soient, hein, quelles que soient les étiquettes qu'on leur donne. Bien sûr, il faut faire les différences entre les Vaudois, les cathares et d'autres encore. Les mouvements étaient quand même nombreux en cette période-là, ces mouvements qu'on dit, qui ont été condamnés par l'Église. Vous parlez des Vaudois, des cathares, des Bégardes et bien d'autres. Hein. Donc il y a eu un mouvement quand même assez important à cette période-là, j'ai l'impression. Alors ce n'est pas un mouvement, c'est en des endroits différents. Ça peut être le midi de la France, ça peut être le nord d'Italie, ça peut être la Flandre très tôt, hein, les 11e, 12e siècle, des pays urbains. D'urbanisme précoce, de circulation des richesses, d'accumulation d'argent, de commerce, etc. Ce sont ces régions-là, notamment, qui ont joué. Alors là, c'est vraiment clair pour la basse vallée du Rhin, les pays flamands, la Belgique, aujourd'hui, bien sûr qu'il n'existe pas la Moyen-Âge, mais la vallée du Rhin. Là, il y a des mouvements de ce genre. Donc dès le 11e, 12e siècle, et puis on va en retrouver au 15e, fin 15e, début 16e, dans la même région. C'est pas les mêmes, il n'y a pas de filiation, mais il y a quand même toujours, du fait même de cette dynamique culturelle, sociale, socio-culturelle, hein, et sociale, une volonté, soit chez les clercs, soit chez les demi-clercs, je veux dire, parce qu'il y a aussi des statuts un peu intermédiaires, et puis chez les laïcs cultivés, qui, à la fin du Moyen-Âge, surtout, ont accès aussi à l'écriture, à la lecture, alors que pendant longtemps, ces choses-là étaient réservées aux clercs. Et ces gens veulent une sorte d'autonomie aussi dans leur vie spirituelle, et parfois, cela les entraîne les amène à franchir cette ligne, et à ce moment-là, ils sont réprimés. Hein, les anabaptistes, par exemple, qui s'inspirent beaucoup d'une lecture littérale, de l'Apocalypse, ils veulent établir sur Terre un millénium qu'ils vont vouloir diriger eux-mêmes, hein, donc, abolir tous les autres pouvoirs et en fait instituer quelque chose comme une dictature, une théocratie totalitaire, hein, dans certains cas, qui a conduit évidemment d'une part à des massacres. Il y a vraiment un phénomène de style Daesh, si vous voulez, mêlant le christianisme de l'époque et qui a été aussi réprimé. Hein, ce mouvement des anabaptistes de Jean de Leyde a été très sévèrement réprimé au début du XVIe siècle. Dans cette lecture de l'Apocalypse, on cite souvent deux noms qui seraient déjà un point de départ pour une telle interprétation, que sont Joachim de Flore et Pierre Olivier. Ont-ils joué un rôle réel dans ces mouvements ou c'est plutôt à la marge dans les théologiens qu'ils ont Alors, eu de l'influence? Oui, vous mentionnez là en effet un mouvement très important qui est d'abord lié tout à fait au sein de l'Église, hein, sans problème, à
au mouvement franciscain. C'est-à-dire qu'au début du... Toujours dans ce grand mouvement de réforme qui a duré, qui a commencé au début, au milieu du XIe siècle, ce qu'on appelle la réforme grégorienne, et puis qui s'amplifie, qui se transforme, etc., au cours du XIIe et du XIIIe siècle, dans une civilisation qui est de plus en plus urbaine également, commerçante, monétaire. Il y a là une sorte de mouvement de réaction de laïcs souvent, qui veulent revenir à la pauvreté évangélique du Christ et de ses apôtres. Et évidemment, le héros de ce mouvement, c'est Saint François, qui au début du XIIIe siècle crée une sorte de confrérie de laïcs, de jeunes gens de bonne société, de bonne famille, mais qui refusent cette richesse, pour commencer par celle de leur propre famille et de leur père, tu vois, mais aussi celle de l'Église, pour réclamer la pauvreté absolue. Et le début du franciscanisme, c'est cela, hein, c'est cette revendication de l'apostolat et de la pauvreté évangélique et apostolique. Alors, ce mouvement franciscain, il a été reconnu par l'Église, donc Saint François a pu, avec l'autorisation de 1903, du pape, fonder ce qui va devenir un ordre religieux, hein, à partir de simples confréries laïques. On a finalement un ordre religieux d'un nouveau type, ce sont des ordres mendiants, donc des gens qui sont religieux, mais dans la ville, ce ne sont pas des moines, pas du tout, hein, rien à voir avec les moines, et les religieux, c'est les franciscains, les dominicains, les carmes, etc. Finalement, il n'y en aura que quatre, enfin, il y en a d'autres, mais on restera à quatre, mais les plus célèbres, ce sont les franciscains et les dominicains. Chacun de ces ordres a eu une histoire un peu particulière, et ce qui domine chez les franciscains, c'est petit à petit une divergence entre deux positions. Et pour faire vite, disons celle des conventuels, qui restent dans une ligne assez modérée quant à la pauvreté, et donc quant à la richesse. Ils acceptent, moyennant un certain nombre de compromis et de subterfuges, d'avoir finalement une richesse, de recevoir des dons, de recevoir des rentes, de pouvoir fonder des couvents avec des bibliothèques, de se mêler à la vie d'université, etc. Donc, ils sont bien dans cette ligne dont je parlais, cette ligne du compromis qui caractérise l'Église de façon générale, et ils n'ont aucun problème avec la hiérarchie. Et puis, il y a les autres qui restent sur une lecture beaucoup plus radicale et fondamentale du testament de Saint François. Et dans ce mouvement, il y a des gens qui vont quand même jouer un rôle dans l'université, ne pas être totalement mis au banc de l'université de l'Église. Mais par exemple, il y a ce théologien, Pierre de Jean Olivier, qui est une figure très importante parce que il a vraiment pensé en théologien cette transformation de la société, de l'économie de l'époque, de l'économie monétaire. Hein, c'est donc de ce point de vue-là, c'est quelqu'un qu'on redécouvre en ce moment et qui a vraiment été un théologien, vous voyez, qui a pris à bras le corps en quelque sorte cette question de l'argent, mais d'un point de vue théorique. Et puis, il y en a d'autres qui ont voulu rester pratiquement dans leur mode de vie, très proche de ce testament de Saint François, et eux, ils ont été mis au banc de l'Église. Et donc, ce sont les spirituels. Et ces spirituels, c'est allé très loin. Ils ont vraiment versé dans l'hérésie, ou on l'a rejeté dans l'hérésie. Le pape Jean XXII en a brûlé quatre à Marseille, et ça a été un traumatisme énorme, pas que des religieux puissent monter sur le bûcher comme de ville hérétique, ça a été vraiment un traumatisme. Et ils ont essaimé, notamment en Italie, en Provence, beaucoup, mais également, par exemple, dans la vallée du Rhin, dans des mouvements qui étaient, comme je vous l'ai dit, intermédiaires, ce mouvement des tertiaires, du tiers-ordre, ou même des béguinages. Alors, les béguinages, ce sont des communautés de laïcs qui ont un règlement de maison, mais qui n'ont pas de règles
approuvé, autorisé par la hiérarchie. Tandis que le tiers ordre, ça a été justement, là encore un bon exemple de compromis, c'est ce que les ordres ont eu l'autorisation de faire, c'est-à-dire de transformer ces communautés informelles en des communautés ayant un statut et une règle approuvée par la papauté. C'est le tiers ordre. Mais certains de ces tertiaires se sont malgré tout laissés tenter par la dérive hérétique et spirituelle, et donc ont été eux aussi réprimés. Voilà en gros, si vous voulez, le mouvement. Et naturellement, derrière tout cela, il y a la lecture d'un texte qui est l'Apocalypse, c'est-à-dire une lecture littérale de tout ce qui se passe dans l'Apocalypse comme terrible épreuve, n'est-ce pas, et combat contre les forces du mal, contre l'Antéchrist, hein. C'est le Christ et l'Antéchrist, l'ennemi, mais c'est aussi la bête, alors c'est Babylone, alors on va associer Babylone à la papauté, à Rome, etc. Donc c'est tout cet énorme récit de combat, de guerre, de sang, de fléau, etc., qui est utilisé par ceux qui tiennent de cette lecture littérale pour condamner l'Église et pour prédire et prophétiser des choses terribles. Alors dans ces prophéties, il y a bien sûr le rôle très important du commentaire de Joachim de Flore, Joachim Olifiore. Bon, c'est un moine en fait, hein, c'est un moine cistercien, mais qui décide d'aller plus loin et de partir dans le désert, c'est-à-dire dans un ermitage, de vivre en ermite en Calabre, en Italie du Sud. Et c'est là qu'il compose plusieurs ouvrages d'interprétation de l'histoire sainte depuis l'origine pour anticiper, pour prophétiser ou du moins annoncer la fin du monde. Et il se livre à des calculs très savants, mais il n'est pas le premier à le faire, hein, c'est une longue tradition en histoire des livres, des calculs sur les nombres qui sont à foison dans la Bible. Et là encore, on peut en donner une interprétation symbolique ou bien une interprétation plus ou moins littérale et réaliste. Et il en arrive par ces calculs, d'abord à prophétiser qu'il y a trois, ou à penser qu'il y a trois temps dans l'histoire du salut. Le temps de la loi, qui est, pour faire vite, le temps de l'Ancien Testament, le temps de Jésus, en fait, de l'Église, dans lequel on est encore, mais que l'on va quitter, parce que ce travail d'exégèse lui amène à penser que l'on va arriver de façon imminente au temps de l'Esprit. Et l'Esprit va être, ce temps de l'Esprit va être dirigé par qu'il appelle des moines, hein, qui sont des spirituels, et voilà. Et quand les franciscains spirituels arrivent, eh bien, parce que c'est un peu de temps après, hein, puisque Joachim de Flore est mort en 1202, et Saint-François, disons, c'est 1215, donc vous voyez, on est juste après. Et donc les franciscains s'emparent de ce texte, et ils voient une justification de leur propre position, et surtout les spirituels, et qui du coup en tirent argument pour condamner la hiérarchie ecclésiastique, condamner le pape, condamner la papauté, etc., et les évêques, et dire que ce sont eux les spirituels qui vont instaurer sur terre ce royaume prédit par Joachim de Flore sur la base de sa lecture de la Bible. On comprend mieux effectivement ces mouvements aussi à cette lecture-là. Ces mouvements qui ont d'ailleurs un peu disparu au fur et à mesure, est-ce qu'il en reste encore des traces, ou il va rester encore des traces dans l'histoire, ou encore peut-être encore aujourd'hui ? Alors, bon, je dirais que pour l'Apocalypse elle-même, bon, c'est difficile. Joachim de Flore, donc, avait prédit
une date, mais qu'il considérait lui-même sans doute de façon largement symbolique, de 1260. 1260, c'est-à-dire le produit de 42 générations de 30 ans, calculées depuis l'origine de l'humanité, déjà depuis les premiers parents, Adam et Ève, et il est arrivé à 1260. Les spirituels ont attendu cette date avec impatience. Hein. Et puis, comme elle est passée, il n'y a rien produit, ben, ils ont cherché d'autres dates. Ça, c'est ce qu'on va faire hein, successivement. Au cours des deux derniers siècles, des trois derniers siècles du Moyen-Âge, on va toujours repousser la date, essayer de trouver d'autres dates possibles. Et puis, une fois la date passée, s'il n'y a pas eu la fin du monde, bah, c'est qu'on s'est trompé, tout simplement, mais que ça reste vrai. La logique du calcul reste authentique, ça reste vrai, même si les hommes peuvent se tromper. Alors, on a des mouvements de ce genre, bien sûr, dans l'histoire humaine, depuis qu'ils soient inspirés d'ailleurs, ce sont disons tous les mouvements que l'on appelle millénaristes ou apocalyptiques, et il y en a eu beaucoup, notamment dans des situations de conflit, des situations liées par exemple à la colonisation, à la décolonisation, il y a l'attente de ces... des peuples étrangers, la crainte aussi de l'arrivée des invasions, etc. On a ce qu'on appelle le culte du cargo dans les pays qu'on appelait du tiers-monde, etc. On a beaucoup de phénomènes de ce genre qui ont été étudiés par les ethnologues, les anthropologues. Il y a un grand livre qui a été écrit par l'italien Ernesto De Martino, qui a été récemment publié en français, qui est une mine vraiment de réflexion sur ces grandes eschatologies, même plutôt ces millénarismes de l'époque contemporaine, parce que dans le marxisme lui-même, on a quelque chose de cela, n'est-ce pas? Mais également, sur un mode totalement différent, dans les grands mouvements fascistes et nazis dans le rêve d'un, par exemple, d'un règne de 1000 ans, hein, qui est le rêve hitlérien, la Reich de 1000 ans. On sent bien, on voit bien qu'il y a là un écho de ces vieux rêves millénaristes qui remontent, qui s'enracinent dans le judéo-christianisme, même si, naturellement, le nazisme a repoussé, a prétendu repousser cette tradition. Et donc, il y a toujours cette possibilité-là. Naturellement. Mais en même temps, il y a toujours en même temps une lecture beaucoup plus pondérée et symbolique et non littérale qui l'emporte, que ce soit au sein de l'Église ou bien en dehors de. Il faut se méfier naturellement de toute lecture religieuse, quelle qu'elle soit, hein, qu'il s'agisse de. Enfin, quel que soit le millénarisme dont on parle, le monothéisme dont on parle. Qu'il s'agisse du catholicisme, du christianisme, de l'islam, du judaïsme, il y a toujours des tentations radicales qu'il faut évidemment considérer avec beaucoup de prudence et beaucoup de réserve. Je crois vraiment que la lecture littérale des textes sacrés, c'est ce qui peut arriver de pire dans une société. Monsieur Schmitt, merci beaucoup pour cette intervention, des plus éclairantes, qui nous a permis, en tout cas qui m'a permis de reconsidérer voilà, ces représentations de l'Occident médiéval face aux interprétations du livre de l'Apocalypse. Si l'on veut continuer à vous entendre, à vous lire, je mettrai en note bien évidemment vos publications, ainsi que le lien vers une conférence que vous avez donnée, Apocalypse et millénarisme dans l'histoire européenne. Mais sans doute avez-vous d'autres ouvrages, d'autres articles à nous conseiller ou de futures publications de votre côté ? Bien, comme je viens de publier un livre, là, je prends mon temps pour réfléchir, donc je vous remercie. Non, j'ai travaillé récemment sur plusieurs choses, notamment sur les démons. Mmh. En effet, dans le livre que vous avez cité sans doute, le cloître des ombres,
qui est autour d'un texte qui n'a pas trait à l'Apocalypse, mais qui a trait aux cisterciens, à l'histoire des cisterciens au Moyen-Âge et à la présence des démons dans la vie quotidienne. Voilà, je m'intéresse beaucoup aux questions de temps et de rythme. Hein. J'ai travaillé également et publié récemment, enfin il y a quelques années, un livre important sur cette question-là, la temporalité. Et là, bien sûr, on retrouve la question notamment de Joachim Fort et de la conception du temps, hein. Mais aussi à travers les images, puisque tous ces schémas de l'eschatologie, selon Joachim Fort, ont donné lien par les nouvelles et ses disciples à des schémas, des images, et j'ai également étudié cette question-là. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à m'entretenir avec vous. Ah non, c'était très passionnant et je suis heureux que voilà vous ayez accepté de participer à cette série sur l'Apocalypse hein, qui nous mène bien depuis le Moyen-Âge jusqu'à la science-fiction. Donc vous voyez, on fait des bonds dans le temps et c'est très intéressant et c'est toujours passionnant. Donc merci encore et puis je vous souhaite une bonne soirée, une agréable journée merci. À toutes et à tous et ainsi qu'à vous. Et puis au revoir, Monsieur Schmitt. Voilà, au revoir, merci encore. Merci beaucoup.